Quant à moi, j'ai fait mon mieux. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'il doit sortir là où il est fabriqué. Maturin est couché. Quant à garçon, il a arrêté de le soleil pour faire le travail. La vie, c'est ce qu'on veut dire dans notre langue. Il y a la connaissance. Et la colisse, un gamillon, colisse, la vie est difficile, un peu difficile, pour monter dans ce montagne, ce n'est pas. On est là. Salam. On est là. Salam. Salam. Patron. Il faut que je t'appelle 10 fois. Je m'excuse pour ça, patron. Tu as fini de nettoyer? Ah. Ça reste pas beaucoup, ça reste un peu seulement, patron. Bon, il faut faire vite, okay, là. Okay. La femme doit sortir, là. Quoi? J'ai dit ma femme doit sortir. Tout de suite, patron. Monsieur Traoré. Oui. Le déjeuner est prêt. Ah, c'est prêt? Oui. Aujourd'hui, j'étais préparé. Pas de commentaire. Chaque fois, c'est comme ça. Traoré, je peux aller chez ma mère? Oui, j'avais même averti le chauffeur de t'accompagner. D'accord. Attends. Chauffeur! Chauffeur! Oui, patron! Viens. Bon, voilà ce que tu vas faire. Oui. Tu vas accompagner madame chez sa mère. D'accord. Tu reviens vite pour que je vais au travail. D'accord, hein? Pas de problème. Chauffeur, ça là, il a fini de nettoyer l'eau. Bon, je l'avais dit de se dépêcher. Sana. Peut-être. Sana. Madame. Raccompagne-moi à Bakar à l'école. Pardon, madame. Tu peux raccompagner à Bakar à l'école. Il n'y a pas de problème, madame. On peut partir, tiens. Oh. Tu es prêt? D'accord, je suis prêt. Madame. Oui. Écoute-moi bien. Tu peux pas retarder le chauffeur et tu connais que je dois sortir. Non, non, non. Je me vois seulement avec ma mère. Après, je me retourne. Doucement. Bonjour, papa. Bonjour. Ça va? Tu es prêt? Oui. Tu es parti? Oui. Ok. Eh, hey, chauffeur! Ah. T'as pas de capoter ici là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, c'est la serviette qui est comme ça. Bon, ouvre-moi ici. Tidjan, il faut pas durer. Hein. Tidjan! Oui, patron! Je dis ne dure pas. Patron, j'arrive. Bon, ne dure pas. D'accord. Tu sais qu'il n'y a personne ici. Oui, je le sais. Ok. Ouais, ok. Je ne dure pas, Inch'Allah. Fiston, oui. On peut partir maintenant? Oui. Sois intelligent à l'école, hein? Bien, monsieur Yama.
à votre maman. D'accord. Hein? D'accord. Ça va à la maison? Ça va très bien. Et ton mari? Il va très bien, il te dit bien les choses. Ah, Dieu merci. Eh, ma sœur. Ah, ma sœur. Oui, maman. Ma sœur. Ça, c'est ma sœur. Ma sœur, bonsoir. Ça va? Ah, ça va bien? Bien. Mais tu es bien coiffée là. Merci. C'est ma copine qui m'a coiffée comme ça. Et monsieur Traoré. Il va très bien. Oui, mais votre voisin là, c'est moi. C'est Traoré qui m'a fait le coup. Ça, voilà. C'est bon. L'autre fois, je t'avais dit de me donner un bazin, j'arrive, il me dit, non, je vais laisser ça ici. Non, j'ai gardé un pour toi, hein? D'accord. Ne t'en fais pas. Moi, moi de si t'as, t'as créé. C'est bien brodé, regarde. C'est bien, la couleur est tellement civilisée. D'accord. Bleu, bécoyen. C'était pour vous dire seulement bonsoir. Ah bon? Et qu'il y a nos ciments maintenant là? Anya wole bara kante simambola sabao. Ah, il m'avait dit. Voilà, ça ka yero mena banjuna. Ça c'est bien ça. Ah, iba wa yaro merci animala. Ça commence à aller. Eh, c'est l'air pas de. Eh, c'est moi qui ai la balle. Ça je laisse. Traoré. Hey, il s'occupe très bien de moi. Ah, bien merci. Ah, hey, nous répète plus ça maintenant. Mais dis donc, je n'aime pas ça. Pourquoi tu peux me voir comme ça là et que tu klaxonnes comme ça? Mais ça, Nadir, attention, je n'aime pas ça, tu as compris. Moi aussi, je n'aime pas ça. Eh, hey, toi, tu ne peux pas me coiffer, tu travailles ici, moi aussi, je travaille. Bon, regarde-moi très bien, moi j'ai un emploi, je ne suis pas là pour toi. Un emploi, un chauffeur simple. Attends, moi, là, je te fais je... domestique. Eh, hey, fais doucement avec moi. Hein. Allah, encore, moi, tu me connais pas, quoi. Ah, toi, tu me connais pas, moi. Je te dis, tu es qui? Je te dis, moi, tu me connais pas. Ah, tu es qui alors? Hein? Regarde-moi le façon là, oui. C'est toi qui es façon, Borien que tu es. Qui est Borien? C'est toi. Je n'aime pas ça. Hé, Sana. Sana. Patron. Mais. Hé, venez là. Mais qu'est-ce que c'est avec ce bruit là? Non, patron. Ça arrive. Ton chauffeur là veut se foutre de moi maintenant. Bon, moi je vais à l'école pour aller déposer l'enfant. Je me retourne. Viens, ça quand je vais rentrer maintenant. Derrière moi, il classe ping. Mon cœur est sorti. Est-ce que ça c'est normal, patron? Patron, patron, si... non, ça c'est... Non. Non, écoutez, non, il faut pas rigoler sur ça. Attendez, non, il faut pas rigoler sur ça. Depuis fort, là, je parle, tu parles? Ah, patron, je parle, tu parles? Ah, c'est ça? Ah, c'est ça? C'est lui qui n'a pas laissé pour toi, il ne peut pas me laisser. Tu veux te foutre de moi? Ah. Je parle, tu parles? Excusez-moi, patron. Quand je dis ça va, tu dois te taire. Patron, lui, c'est un warabadi. Tu fais pas attention, va courir dans ton. Voilà ce que vous allez faire. Faites doucement avec moi. Allez, écoutez. Voilà ce que vous allez faire. Hein? Vous tous, vous travaillez ici. Il faut vous aimer, ça, ce n'est rien, ça. C'est lui qui me provoque. Non, non, ça va. Quand est-ce que je t'ai provoqué? Hein? Je dis ça va. Je dis ça va. Mais pas toi. Je dis ça va. Ou bien je te fous à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, la fille, là, c'est qui? Nous croyons qu'il y a des. Le poison de Konaki, là, c'est Doudé. Ma quoi ya? Eh, il m'a donné ya. Colin, t'es qui ben allez gagner un cas, il est quelque temps fait là. Allez, t'es là, colon les cassiers, colon. Colon cassier à Jenny Kano. Oh, il est quoi? Et puis la fille, elle est très belle. Et pour nous souhaiter, nous devons se follow l'été.
Mene tangoro la imasire di. Non, il proposait la mene barataka manku yo tabu. Ibranya yi. Il Elle ne peut pas être domestique. Parce que nous sommes parents oubi. Oui, allô. Ibrahima. Ça va? Non, non, non. Hier, j'étais appelée, mais j'ai pas pu te joindre sur ton portable. Et t'as remis la somme? D'accord. Comme ça, tu peux me rappeler. Je suis avec ma mère. Ah, tu entends sa voix déjà? Nous sommes en pleine conversation. Comme ça, tu me rappelles la même. Bye. Je vais sortir encore. Ça va, patron? Madame Abbé? Ah, pas encore. Jusqu'à présent? Vraiment. C'est sérieux, ça? Vraiment, ça c'est très sérieux comme ça. Fatigué, je suis fatigué. Ça va? Ouais, patron. Donne-moi de l'eau, je vais boire. Ok. Je suis très fatigué. Tu veux aussi, quand elle va... Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait jusqu'à présent, ça. Je sens maman. Depuis le matin qu'elle est sortie jusqu'à... Voilà. Ah, mais il n'y a pas une tasse aussi? Ah, patron, comme...
La maison est tellement ah, c'est fermé. Madame est fermée là. Ah oui, oui, voilà. Oui, je suis chez elle. Oui, c'est qui? Je suis chez... D'accord, je vais rappeler tard. Je te donne moi. Travaille. Parce que je viens de rentrer aussi. Comment ça va? Assois-toi. Vous allez bien? Ça va, Dieu. Ça va ici? Ça va. Allez, là, ça va? Ça va, ça non, va. Donc, tu viens de rentrer aussi? Tout de suite. Je n'ai pas trouvé madame depuis le matin qu'elle est partie chez sa maman jusqu'à présent. Ouais, mais là, c'est sa maman. Oui, oui. Ah, tu sais, la femme, quand elle se retrouve. Oui, mais. C'est toujours comme ça. Quand je viens, je vais manger, qui va me servir? Ah, mais il y a deux messes ici. Alors, le jour que madame va voyager, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais elle n'a pas voyagé d'abord. Elle n'a pas voyagé d'abord. C'est pour moi. Tu vas retrouver là quand elle voulait faire le soir là. Tu dis non, non, c'est pas bon. C'est que tu vas. Bon, voilà. C'est justement pareil. Ça va? Parce que quand tu es habité, c'est pas facile quoi. C'est pas facile, mon frère. Sanon, tu n'as pas dit ça aujourd'hui? Depuis le matin, je ne l'ai pas. Depuis le matin. Parce que tellement, il est occupé d'autres problèmes là. Le problème qu'on avait dit là. Oh, mais il m'avait téléphoné qu'il va passer au bureau. Ah, bon, si tu as vu qu'il n'a pas passé, moi, il m'avait téléphoné avant de quitter. C'est lui qui vient de me téléphoner. J'ai dit, c'est de ça là. Okay. Bon, l'affaire qu'on a traité là, j'ai déposé ton argent. Le marchandé que tu m'avais donné, j'ai déposé. J'ai confiance à toi. Hein? C'est à ton compte là. Tu as. Rien n'a manqué. Non, rien n'a manqué. J'ai le reçu. J'ai le reçu. J'ai même le reçu. Quoi? Comme d'habitude. Non, je ne sais pas comment te remercier. Eh ben, dis donc, c'est ça là. La vie, c'est une question de confiance. Sans confiance, c'est pas bon. Je ne sais pas comment te remercier. Vraiment, c'est bon. Bon. Je donne. Bon, Sanon aussi. Sanon aussi dit qu'il va déposer l'autre l'argent à la donner. J'ai dit de récupérer. Parce qu'à chaque fin de semaine, il fait la contrainte. Tu connais le problème de Sanon? Non, 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 il ne manquera pas. Mais, dis donc, toi aussi. C'est ton ami, tu le connais. Ouais, mais lui, tu il le connais. Trop sur les problèmes. Pas le risque de donner la banque. Ah, ok. Mais voilà, c'est ça. Oh, dis-le merci. Cette fois-ci, l'affaire a été très bien marchée. Non, vraiment, je te remercie. Non, c'est très gentil. C'est toi qu'on a remercié. Ah oui, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas beaucoup de... Actuellement, il n'y a pas de... Est-ce que je peux faire descendre les sacs de riz? Ah oui, oui, bon. Tu vas laisser... Un dans la voiture. Doucement. Tu vas amener ça. Ah. Madame, mais moi, j'ai cherché ça n'a partout pour m'aider. Mais... Sana! Bonsoir. Sana! Comment ça va, chérie? Ça va très bien. Chérie, pour moi. Monsieur Traoré. Mimi, écoute. C'est pas comme ça qu'on s'est arrangé. C'est qui ça? Dis-donc, laissez. C'est notre étranger. Quel est étranger? Moi, je ne sais pas. C'est la fille de mon oncle. Il faut faire rentrer le colline. Ça va bien. Sana! Sana! Sana, prends ça! Non! Makoya, assois-toi. Assieds-vous là-bas. Ici? Oui, assois-toi. Sana, qu'est-ce? Tu ris pourquoi? Ah, mais ça vaut la quelle? Assois-toi. Ça va quoi? C'est la rire, assois-toi. Eh ben, attention, c'est une belle femme. Hein. Tu vois comme ça. Et il est content de le voir. Ah, uh-huh, je le sais. C'est là comme ça. Sana, il faut aider le chauffeur à descendre le sac de rire. Pardon? Tu étais aider le chauffeur à descendre le sac de rire. Ok. Vous le mettez. Comment il va bien? Ok. Elle est quittée au village. Comme ça, ma mère l'a proposé à moi. De quoi, de quoi? Qu'elle soit ici, comme je suis seule, pour m'aider à travailler. Et... Oh, travailler? C'est ça. Il faut connaître d'abord la position de ton mari avant de faire rassembler toute la famille. Ça, c'est pas bon. On dit non, laisse ça. Il a combien de familles ici? Vraiment. Mais qui est là? Il y a Samba, il y a Sana ici, Combo. Sana est le chauffeur. C'est la vie de son oncle. D'accord, je dis. Et c'est ta fille aussi. C'est ta fille. Je dis d'accord. Alors, c'est ça. Madame, hey, on est d'accord. Elle est la bienvenue. Voilà, elle est la bienvenue. Traoré, elle s'appelle Makoya. Makoya. Oui, c'est son père. Ça fait pas du salut, c'est Monsieur Traoré. Makoya, ça va? Ça va. Ça va au village? Ça va. Tiens, chez toi, hein? Madame. Mets-toi à l'aise. Dis-nous, c'est ça. Ok. Hein? On a bah, ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est rendez-vous maintenant. Non. Rendez-vous maintenant. On va dans les salons, on va dans les salons. D'accord. Peut-être c'est 17h que tu as. La petite chambre qui est à côté de la chambre, elle doit loger là-bas.
Passe. C'est ma fille. Eh, hey, faut pas dire passe. Hey, reviens, madame. Elle s'appelle Makoué. Makoué, c'est ça, non? Hein? C'est moi qui est là. Ouais, ça va. C'est le deux. Tu peux aller avec lui. Ah, c'est le deux messieurs. Voilà, c'est lui qui est là. C'est moi qui est là. Sana. Oh, c'est pas mal. Donc, de façon que tu regardes ma fille comme ça, je n'aime pas ça. Quoi. Parce que moi, je te connais. Ah, tu voulais voir. Je te connais. Moi, je vais rentrer. Tu vas rentrer. Je suis dans la chambre, je suis fatigué. D'accord, moi aussi, je vais rentrer. Mais faut pas parler avec une autre femme là-bas. Eh, hey, jamais. Je te connais. Tu sais que tu aimes ma. Non, je te connais. Mon amour au cœur. Hein, il connaît. Dis donc, moi, je te laisse à 16h. Oui, au magasin. D'accord, pas grave. Hein? Ok. À 16h00. Dans ce cas, je vais appeler Sozo. Si toutefois, ça note à peine, dites l'arrangement. Au magasin. Au magasin. Hein? Ok. Bon, merci beaucoup. Oui. Si tu le vois aussi, même chose. Il n'y a pas de problème. Au magasin. Oui. Bien de choses à la famille. Oui. Ok. Mimi. Mimi. Oui, monsieur Traoré. Prépare-moi, ma chérie. D'accord. Là-bas, hein. Je veux que effectivement Salon soit comme ça. Quoi. C'est ça. Mais tu sais, le problème de Salon, je t'avais bien dit. Bon, regarde comment ce que le vieux fait ici. C'est non, bien organisé. Il n'y a pas de pagaille, rien. Non, non, non. C'est ça. Et puis, fais le versement comme il le dit. Dans 2 jours, là, il n'y a pas de difficulté quand même. Il n'y a pas. Ça marche un peu. Tout va très bien. 5 sur 5. Ah, bien, merci. C'est ça, quoi. Ça, c'est 5 sur 5. Ouais, ouais. Bon, dis donc, qui sont fermes. Camarade, oui. Voilà ce que tu vas faire. Mm-hmm. Tu vas. Le non. Vieux, oui, oui. Pour lui, il n'y a pas de problème. Non, non. Hein? Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Non. Maintenant, ce qu'on va faire, mm-hmm. on va aller voir dans la boutique de Salon. S'il y a quelque chose, s'il n'y a pas, on laisse. Lui et moi, on signe. Je laisse son contrat. Non, 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 non. Non, non je laisse son contrat. Non, le problème de Salon, tu es mal placé parce que c'est ton ami. C'est moi. Ah, toi, t'es qui? On ne peut même pas se reposer là. Non. Hey, bon, non, 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 je n'aime pas ça. Restez, monsieur. Là, je suis content maintenant. Ça va, ça va. Ça va, au village? Ça va très bien. Tu vas bien? Ah, bon, ça ne va pas parce que je suis un peu malade. Hein. Je suis malade, vraiment. Ah bon? Ah. Hey, le frère, il est là. Oui, elle est en train de se reposer là. C'est ma poitrine et mon ventre qui me fait mal. Ah, tu fumes trop? C'est pas à cause de la cigarette. Mm. C'est seulement, je suis malade. Hein. Je suis malade. Hein, j'ai même oublié. Oui. Le patron est parti voir son ami là. Celui qui fait des affaires pour lui. Ah, son ami, le cours là. Le cours là. Hein. Mm. Voilà, il est parti là. Mais bientôt, il doit arriver. Hein? Ça va bien? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites ici encore? Je ne peux même pas me reposer. C'est le jeune frère de petit patron qui arrive, il est malade. Nous, hein? Mais c'est pas toi, c'est Sana. C'est Sana qui manigance tout. C'est pas moi, madame. C'est moi qui manigance tout. Mais attends, patron. C'est-à-dire, si le jeune frère de patron arrive maintenant, il ne faut pas que je m'amuse avec lui. Et tu es venu ici encore, pourquoi? Hein? Tu m'as bien entendu? Et puis tu me demandes, je suis venu pour quoi encore? Je ne dois pas te dire. C'est pas chez mon frère? Il y a une foule camp, villageois qui ah, quitte là. Non, toi t'es malade. Yo. C'est toi qui es malade. Ah, oui. Et puis enlève tes bagages là sur mon moquette. Sana. Sana. Madame. Sana n'est pas là. Madame. Et viens prendre ça là ici. Quoi?
Prends-moi les bagages là ici. Hé, hey, ne touche pas, laisse ça. Okay. Elle n'a qu'à venir le prendre. Toi, tu es... Moi, je te considère même pas. Si toi, tu me considères pas, si ton frère me considère. Pas des zéros devant si moi. Si mon frère vient, c'est lui qui va prendre ça là ici. Ce n'est pas toi, dis. Je ne sais pas si je dois me retourner à quoi, parce que je suis trop fatigué là. Moi, j'ai même mal de tête comme ça, là, patron. Mais ça ne se couche. Eh non, lui, là, c'est un zéro. Ça... C'est pas ça, là. C'est qui? Hein? Là. C'est tonton, c'est quoi, là? C'est quoi? Oui. Tonton. Ça va? Ça va, oui. Ah, mais tu te couches ici, pourquoi? Ah, avec ton bagage. Depuis que je suis venu, c'est ici, on m'a... presque... accueilli. Mimi. 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 Oui, monsieur Traoré. Mimi. Tu n'as pas vu mon frère? Elle m'a vu. Elle m'avait vu. Non, elle ne l'a pas vu. On avait même blagué un peu. Mais comment elle peut laisser tes bagages ici? Non, non, ça va. Non, c'est moi-même qui a décidé de laisser mon bagage ici. Il faut faire entrer ça. Ça va, frère? Ça va. Ça va bien. Et au village? Bon, le village, là-bas, ça va mieux quand même. Ce que tu avais envoyé, vraiment, ça... C'est rentré. On a reçu, oui. Alhamdulillah. Mon père te salue et ma maman aussi te dit bien des choses. Ils vont bien? Mmh, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Seulement, c'est moi qui est malade. Ah. Bon, depuis le début de ce séjour-là, je suis malade. J'ai mal à la tête. Mon cou comme ça là, ma poitrine, même mon ventre, mon rein là d'ailleurs, frère, ça ne va pas avec moi. Hein. C'est le travail. Ça ne va pas du tout. C'est le travail. Donc, vraiment, je suis complètement malade. Il filme tellement. Moi, je filme. C'est pas ton problème. Est-ce que c'est toi qui me donnes le prix de ma cigarette? Celle-là est malade, yo. C'est vrai? Ça va. Tiane, tu es là? Je suis toujours là. Et... Ça va au village? Ça va très bien, oui. Et le véhicule? Ah, ça va un peu. Non, il est... c'est un, beau... un gars vraiment très sérieux. Hein. Il est bien, vraiment. Ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Bon. Donc, c'est à cause de ma maladie là que je suis venu ici. D'accord. C'est ce n'est pas autre chose. C'est pas grave. Je suis venu pour me soigner. Ah. Vraiment, ah. Frère. C'est pas grave, mais l'achève demain maintenant. Oui. Patron, ouais. On m'a commissionné. Je voulais te voir. Me voir? Hein, pour 2 minutes. C'est pas grave? C'est pas grave. Bon. Moi aussi? Oui. C'est sérieux, hein? C'est quoi? Moi, j'ai pas mis peur comme ça. Mon ami, ouais. Salam. Salam. Il faut dire à notre patron, je suis un travailleur simple pour lui. Oui. Mais si je vois quelque chose qui n'est pas bon, je vais l'appeler pour l'informer. Oui. Pour un jour. Oui. C'est normal. Ça, c'est bon. Son jeune frère vient d'arriver à peu près, ça fait 3 heures de temps maintenant. Mais l'accueil qui est passé derrière mon patron, moi je connais. Madame n'a pas accueilli ton jeune frère. Il se comporté d'une manière avec ton jeune frère. C'est pas bon. Mais comme moi je suis simple travailleur pour le patron, il faut que je l'appelle pour l'informer. Il n'a qu'à.